Bonjour à tous, nouveauté sur mon Reaction Time. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un câble USB branché à une batterie qui est ici. Et quand on appuie sur le petit bouton de la batterie, on a l'afficheur qui s'allume là-haut. Et donc quand on appuie sur le bouton Start, on a le jeu qui fonctionne. Comme vous pouvez le voir, avec la batterie, le jeu a l'air un peu plus lent, puisque le score s'affiche plus longtemps. Oh, quelle andouille! Et j'ai aussi, quelque part, j'ai une. J'ai un transfo 12 volts, faudra que j'essaye avec, voir si ça marche mieux. Quand même. Peut-être que j'essaierai tout à l'heure, je verrai. Voilà, donc un petit score de 9999 parce que le piège du bip m'a fait planter et m'a fait faire un faux départ. Voilà, je vais bien m'amuser, je sens. Et accessoirement, Tam Tam, ta version du jeu où il faut s'approcher du zéro ou s'approcher du score défini, je sens que ça va pas être possible parce que c'est la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que j'avais un plantage quand on restait appuyé sur le bouton 1. D'ailleurs, je peux vous le montrer, il suffit de rester appuyé ici. Et on a le bip qui fait le reset. J'ai trouvé d'où ça venait, c'est quand il y a trop d'affichage, au bout d'un moment, il plante. Voilà.